Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 6 du Let's Play de Resident Evil HD. Donc la dernière fois on avait vidé le bassin et on était à la recherche de la clé. Et finalement j'ai trouvé comment faut faire en fait. Et donc on y retourne. On va aller chercher la clé. Et après, on va se diriger lentement mais sûrement vers le combat contre la plante 42. Je suis désolé de foirer des trucs et de faire des allers-retours comme ça. Vous avez dit que ça arriverait plus, mais... Je pensais qu'après la... Comment on appelle... Non. C'est ici. Je pensais qu'après la maison, j'allais moins bouletti. Merde, j'ai flippé. Moins boulettisé en fait. Oui, j'ai trouvé en fait comment faut faire. Faut éteindre. Ah, vous voyez, la clé elle est là-bas, elle brille. Par contre, si on descend, on va se faire croquer donc. C'est tout con. Et on a le trophée. Et on a tué le requin. On tombe sur la clé résidence. On regarde tout de suite. Et la clé quoi? Rien d'habituel. Le mot galerie est écrit. Voilà. Donc nous allons nous diriger. Que je dis pas de bêtises. J'espère que vous voyez ma souris. Alors on va rentrer là. Ça ouais je connais. D'accord. Ici. Là. Ok. Hop, j'en vais. Ok, bah c'est cool. On est reparti. Eh oui, requin. T'as beau être grand et féroce. L'électricité, c'est plus fort que toi.
Oui, c'est parce qu'en fait, vous dites, bah ouais, mais je comprends pas, tu l'as fait 3-4 fois la dernière fois dans l'ancienne vidéo et tout, et la cinématique s'était pas déclenchée. Oui, c'est parce que le problème en fait, c'est que la cinématique se déclenche quand on appuie sur le bouton. Donc, pour moi, je joue avec la manette 360, donc le bouton A, mais pas sur la machine qu'on pousse à côté. Ce qui est complètement débile, hein, ils auraient dû le faire directement sur la machine dès que tu t'appuies la première fois. Pardon. Mais bon, que voulez-vous? Mais bon, on va repartir sur des bonnes bases. Super, je sais même pas à quelle heure j'ai commencé le truc, tant pis. Alors, on va aller là. Ah, j'aurais peut-être dû prendre le... Oh! Mesdames et messieurs. Je trouve ça très beau. Oh putain, non! Ah, je vais re-rentrer, hein, vous inquiétez pas, mais c'est parce que je prends. Attendez, je vais faire ça. Comme ça, si je dois tirer, je vais pas utiliser tout. Ah merde. C'est pas ça? Vous savez quoi? Je suis désolé. J'aurais dû le faire avant. Ok. Ouais, c'est 3, 5, 6.
Il avait raison, mais j'avais oublié l'ordre des yeux. Oui, je reviens ici parce qu'en fait, je vais prendre tout de suite. Enfin, je vais prendre tout de suite, je vais en avoir besoin. Il est où lui? Là. Je sais plus comment je dois tuer les putains d'abeilles. Sinon je peux pas les tuer. Alors. Lui c'est 3. Lui c'est 5. Et lui c'est 6. Non. Lui c'est 6. Et lui c'est 5. Mais non, quel con. Non. Non. Voilà, putain, n'importe quoi. Désolé. Plus 3 égale 4, wow, super! 4 plus 6 égale 10, si vous vous rappelez plus de. Des trucs, hein, c'est. Voilà. 1 plus 6 bah, égale 7. Hein. 10 plus 7, bah, 17. Et 17 plus 3, 21. J'ai envie de dire, le compte est bon. Par contre, le problème, c'est que. Ouais, il fait le compte trop d'objets sur moi. On va prendre ça. Alors. 1 plus 3 égale 4. Voilà. Donc. Voilà. Du jaune. Non. Ouais, normalement c'est ça. J'ai du 4. Après, 4 et 6, 10. Oui. Voilà, là j'ai du 10. Ah ouais, j'ai pas assez de place en fait. J'ai pas fait n'importe quoi, mais le problème c'est que voilà, j'ai pas assez de place. Il a peut-être pas dû prendre le livre.
Alors, ouais. J'ai du 10. Savez quoi, on va revenir. Ah, vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de faire, mais... À vrai dire... Moi non plus, je ne sais pas. Ok, je me rappelle. Voilà. Comme d'habitude. Ah, vous allez me dire, mais c'est débile ce que t'as fait. Je sais. C'est la vie. Alors, on était à 10, donc il me faut du 6 plus 1. Alors, prendre du jaune. Prendre de l'eau. Voilà. Par contre, ils appellent ça comment? Du V-Volt. Okay. Par contre, le gros problème, enfin, gros problème, c'est qu'une fois qu'on a fini avec les pigeons de vase, là, on peut pas les. Oh là 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 là. Ah, faut que j'aille déposer les. Ah, puis si je me serais pas trompé aussi. Je ne le prendrais pas à chaque fois. Normalement, je me le prends encore une fois et c'est tout. Enfin, si je fais pas le con.
Allez, excusez-moi, c'est parce que je suis en train de réfléchir. Ça va me donner une clé, mais est-ce que ça va me donner autre chose? Bah au cas où, voilà. Hop. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va aller faire ça, tout, la plante 42, machin. Et tant pis pour la vidéo, si elle est plus longue que d'habitude, je m'arrêterai une fois que j'aurai tué la plante 42 et que j'aurai sauvegardé ici. Enfin que, ouais, avant de repartir. J'espère que vous m'avez suivi. Oui, là si vous vous demandez, mais pourquoi tu retournes en bas? Pardon. Si vous avez bien suivi la dernière vidéo, on avait vu les... Et puis, lu le livre qu'on avait trouvé. Et il y a les racines de la plante qui sont en dessous, qui sortent du sol. Donc, avec le produit que j'ai pris, là, je ne sais plus, normalement on trouve le livre quelque part, mais je vais faire gaffe. On va mettre le produit toxique sur ses racines. Pour la mettre, on va dire... pour la mettre, comme on va dire, midlife, si on peut dire. Enfin, pour l'affaiblir déjà. Je ne sais pas si elle est midlife hein, quand on fait ça, mais pour l'affaiblir. Et puis on reviendra. Et après, quand... Donc... Ah, de toute façon, normalement, la clé elle doit être ici. Le problème, c'est que... On va sortir, mais le problème c'est que je vois pas de clé. Je vois rien qui brille, donc je pensais que la clé elle aurait été là. Ah non. Non, non. Si elle est pas là, elle est là où il y a les abeilles. Prochaine étape, go tuer le nid d'abeilles. Après on a la clé. Enfin, après le nid d'abeilles, je vais fouiller la pièce où il y avait le projecteur. Où
Oui, si, ça peut être un rétroprojecteur. Après, on ira dans la pièce. On ira poser le livre rouge. Puis après, on pourra affronter la plante 42 et puis on finira l'épisode là. Ah d'accord, je vais essayer encore une fois. D'accord. Non, c'est cool, j'ai compris. Merde. Pardon. Oui, je sais pas si vous vous souvenez en fait. Ici, quand on avait récupéré la map, il avait dit, oh, il y a un trou. Voilà. Je sais pas si, peut-être regarder, non, non. Voilà, ils sont tous scannés. On va fouiller là d'abord, on verra bien. Donc là il y avait des diplômes. Il y a des vieux diplômes. Des vieux récipients, des tubes à essai. Oh non, quel... Oui, ça c'est... C'est quand on spamme le bouton. Petite connerie, mais bon. Ah non, c'est pas un... C'est un truc de laboratoire, vous n'avez jamais vu auparavant. Ah, j'ai envie de dire cool, un chargeur. Bah, vu les petites cordes qu'il y a autour... Ça fait musée quoi. Non. Ah, excusez-moi, moi j'ai complètement. J'ai vu les roues là, j'ai cru que c'était des. Voilà, tout ça pour ça. Comme dirait l'autre. Et allez, prions. On dit qu'il n'y a pas de zombies. Oui, parce que j'ai pas pensé s'il y avait un zombie. Non. Ah non, on peut sauvegarder. Alors, un robinet du lavabo ne marche pas. C'est rempli d'eau sale. J'espère qu'il n'y a pas un zombie. Non, apparemment. Un couteau? T'es sérieux là? Oui, Umbrella, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, grande. Ah, merde, j'ai chié avec le robot. Grande entreprise pharmaceutique.
Bah alors? Ah non, ça c'est la porte. Bah voilà, hein, comme je vous disais. J'ai mis la charrue devant les bœufs. Oui, je sais ce que vous dites. Et putain, tu fais n'importe quoi, mais je vois même pas à quoi ça ressemble le décor, donc... Je crois que c'est comme ça. Non, j'ai pas fini, hein, mais... Voilà. Bon bah, messieurs, dames, on est parti. Oui, je n'ai pas sauvegardé, parce que si je meurs... Tout ce que j'ai fait, ce sera... Vous ne le verrez plus. Donc, What the hell is this thing? Barry! Jill! It was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place?
Et nous avons eu la clé casque. Bon, on peut se casser. J'ai appuyé, on peut pas parler à Barry. C'est super, j'ai fait le tour. La porte refuse de s'ouvrir. Ah bah voilà. Bon bah voilà, j'ai même pas utilisé mon arme, ça c'est cool. Je vais sauvegarder. Bah à l'entrée, tiens. Tiens, je vais essayer de faire une méga herbe. Bon, on est parti. On quitte. Enfin, on va sauvegarder. Au prochain épisode, bah, on retourne dans la maison. Et je pense que prochain épisode, je ferai. Wesker. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Non mais il est sérieux. Je suis désolé mais là j'ai pas compris. Ils nous prennent le jeu nous prend un peu pour un des cons et j'aime pas ça. Ah bah oui, on peut plus se faire attaquer puisqu'elle est morte. Du genre le jeu te dit limite, toi t'as la clé, retourne dans le manoir. Bref. Je vais déposer ça. On va déposer ça. Ça. On va reprendre tout ça. Combien il me reste de 12 rubans, c'est largement suffisant, je pense. Bon, allez. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois, on retourne dans le manoir. Et à ciao les amis.